Hey, bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre Farming sur Énois. Alors aujourd'hui, ben, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une ensileuse avec un tracteur et une remorque à côté et nous allons ensiler. Je vais donc tout de suite démarrer l'ensileuse, un petit peu particulière parce qu'elle a du mal. En même temps, il fait nuit, il fait froid, elle n'aime pas ça. Et nous allons démarrer tout de suite notre ensilage. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait un tour et demi, on va dire, de détourage. Et nous ensilons. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes de retour sur notre map, un petit coin de Belgique. Dans notre carrière, une petite dernière avant FS19. Et j'espère, puisque vous avez eu le premier épisode hier, que ceci vous a fait plaisir, puisque comme je vous l'avais dit, quand j'ai sorti la carrière samedi dimanche sur la map Maverick, je vous ai dit que c'était la carrière qui devait sortir le mercredi, mais j'ai précisé dans une vidéo que une surprise pouvait en cacher une autre. Et c'était ça la surprise en fait. La map Maverick, j'ai décidé de la faire parce que je voulais une map avec usine, mais je voulais pour le mercredi faire cette map-là et comme vous l'avez entendu, la dédicacer à mon poteau Neski. Voilà. Donc là, eh bien, nous ensilons. Et comme vous pouvez le voir, je manœuvre aisément le tracteur qui me suit ne m'embête pas du tout et j'ensile cependant très facilement. Et il se trouve qu'en réalité, j'ai une ensileuse que je ne me rappelle pas avoir vue sur quelque chaîne de youtubeur que ce soit. Alors je me trompe peut-être et même certainement, elle a certainement été vue, mais ça doit faire déjà quelque temps puisque c'est pas un mode forcément récent. Et ça doit déjà faire quelque temps et tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. Hop là, attention, on a l'écrasement des cultures. Donc là, nous allons sauter de ce pas dans notre Fiat. Nous allons allumer nos lumières, démarrer et nous allons rejoindre la petite ensileuse et vous allez découvrir comment est notre petite bébête. Ah non, les bébêtes, c'est sur la map Maverick. Donc nous allons découvrir comment est notre petite ensileuse, tout simplement. Voilà. Donc je fais de l'ensilage parce que je veux démarrer les animaux assez vite sur cette carrière aussi, étant donné qu'il y a, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans l'épisode d'hier, il y a moutons, chèvres, vaches. On peut changer les vaches de pâturage. Il y a également cochons, poneys. Enfin bon, il y a énormément de choses. Alors, comme vous avez pu le constater, je vais me mettre comme ça. Notre petite ensileuse, en fait, est un peu particulière. Donc, c'est une chenille. Si on était sur la map Maverick, elle serait dans la case insecte chenille. Et en réalité, eh bien, elle ne veut pas vider. Pourquoi tu ne veux pas vider, ma belle? Ah, si, tu vides, pardon. Eh bien, ah non, ne me dites pas que le fail va être un bug de. Le jeu me troll. Le jeu me troll. Quand je ne fais pas de fail, le jeu les fait pour moi. Est-ce que vous y croyez, les amis? Est-ce que vous y croyez? Non, ça a l'air de bien se passer. Elle vide, elle vide, elle vide, elle vide. Ne sois pas médisant, mon petit surénois. Tu vois bien que ça se passe bien. Allons, allons. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a 30 secondes, madame m'a fait un caprice. En même temps, une femme qui vous fait pas de caprice. Oups, je viens de perdre quelques abonnées féminines, excusez-moi. Je suis sincèrement désolé. Est-ce que mon. Ah ben oui, ma remorque est pleine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est couper la bête.
repartir par avant dans notre petit Fiat, pardon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, où vas-tu, où vas-tu? C'est tout droit. Ne passe pas à travers les haies, surinois. Ne passe pas à travers les haies. Ça ne se fait pas. Donc là, oui, voilà. Donc là, surprise de samedi a été, je l'espère pour vous, une agréable surprise. Mais la surprise du mercredi, était toujours présente. Et la surprise du mercredi, ben voilà, c'est la vidéo que vous avez eue hier. Et qui plus est, ben, j'ai décidé d'en tourner deux à suivre, comme j'ai fait pour Maverick. Et de vous en balancer donc une deuxième aujourd'hui, jeudi. Nous allons vider ça ensemble. Et je vous ferai un petit planning des carrières dans la semaine, parce que là, ça commence à devenir, on va dire, un peu compliqué avec toutes les carrières qui sont en route. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai l'intention de procéder. Alors, déjà, premièrement, première concentration afin de vider correctement cette remorque. Voilà. Donc, remorque que vous n'aviez certainement pas vu, puisque j'en ai fait l'acquisition en même temps que l'ensileuse. Puisque la benne, le mètre que l'on a fait 14 000, l'ensileuse 12 000, et je me suis dit, un tour à chaque ensileuse, ça va peut-être être beaucoup de voyage quand même. Donc celle-ci faisant 23 000, et puis je la trouvais pas vilaine, et puis oui, bon, bah, c'est une jolie petite benne hein, qui est dans le Modeb. Et j'ai décidé de prendre celle-ci, voilà, qui me semblait adéquate pour notre petite carrière, la petite dernière avant FS19. Bon, voilà, donc là on retourne à notre ensileuse, je fais vider la bête, ce qu'il en reste, je redémarre avec l'ensileuse et je vous explique tout de suite le planning des semaines à venir, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Et si qui plus est une carrière ne vous plaît pas, eh bien vous n'aurez pas l'obligation de regarder ce qu'il y a cette journée-là. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Donc là, je vais. Non, 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 non. Je me gourge de boutons. Imbécile, c'est sur le wifi. Voilà. Pourquoi j'éteins d'ailleurs, je laisse allumer, pas tout. Donc, nous repartons immédiatement à Ancilay dès que la bête aura décidé de démarrer et je vous explique tout de suite le petit planning de la semaine. Voilà. Donc, le lundi, vous aurez un épisode de notre première carrière ensemble. Le mardi, vous aurez un épisode de notre carrière difficile. Le mercredi, vous aurez un épisode de une petite dernière, pardon, pas derrière, une petite dernière avant FS19. Le jeudi, vous aurez un épisode d'une des trois carrières que je viens de vous citer ou de la carrière, non, d'une des trois carrières que je viens de vous citer. Donc, je récapitule. Le lundi, notre première carrière ensemble. Le mardi, carrière difficile. Le mercredi, une petite dernière avant FS19. Le jeudi, un épisode d'une de ces trois carrières-là. Le vendredi, un épisode de un surénois chez Juju. Et le week-end, samedi, dimanche, étant donné qu'il y a énormément d'usines sur la map Maverick et que je voudrais vous en montrer un maximum, vous aurez le samedi et le dimanche, dans le week-end, au minimum un épisode, mais normalement un épisode pour le samedi, un épisode pour le dimanche. J'espère. Un sur le week-end, peut-être deux. C'est
en fonction du temps que j'aurai à consacrer à cette carrière et aux autres, puisque là, si vous faites rapidement un petit calcul, première carrière ensemble, une carrière, difficile, deux carrières. Notre carrière sur un petit coin de campagne, celle-ci, une petite dernière avant FS19, trois carrières. La carrière à Surénois chez Juju, c'est deux carrières engagées, donc ça me fait cinq carrières. Et la carrière des invasions d'insectes, donc sur la map Maverick, me fait une sixième carrière. Donc j'essaie de plaire à tout le monde, j'essaie de faire un maximum de choses qui varie. Donc première carrière ensemble, les carrières difficiles, c'est à peu près similaire, sauf qu'il y en a une avec le mode saison, l'autre sans. Celle-ci, je n'ai pas pu mettre le mode saison comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'hier, puisque le labour périodique, étant donné qu'on ne peut pas labourer, c'est bugué. Donc je n'ai pas pu mettre le mode saison, mais par contre j'ai mis tous les modes réalistiques. L'écrasement des cultures, salissure du matériel et tout, terrain plus réaliste, enfin bref, vous les connaissez. Le vendredi, nous avons notre petite carrière un peu rêveuse, je dirais, avec un surénois chez Juju. Et donc le week-end, bah, vous avez votre carrière où là c'est un matos énorme, des insectes partout et des usines dans tous les sens. Donc qui plus est, dans notre carrière un petit coin de campagne, des usines il y en a, hein. On va en démarrer, hein. Là on vient de lancer les moutons et l'argent commence à rentrer, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode. Je pense qu'on va attaquer le bois rapidement, puisque c'est sur cette carrière et peut-être celle de Maverick, si on a le temps, que l'on fera du bois. Mais je pense que sur les deux carrières, on fera du bois. Que vous dire? Sur celle-ci, c'est pareil. Il y a tout de même des vergers, des serres, des poneys. Enfin, je vous dis, j'essaie de varier et de plaire à un maximum de personnes. Et de faire ce qui me plaît également, hein. Je veux dire, sur l'ensemble de ce que je vous propose, mis à part, je dois bien reconnaître, la map Maverick, et c'est pas le travail en lui-même qui me plaît pas. C'est la map, je ne la kiffe pas plus que ça, parce que je ne suis pas très map américaine de base. Et le matos, il est quand même relativement gros, donc c'est pas mon dada, c'est plus le style de carrière que vous voyez là, quoi. Je suis plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec ces carrières-là qu'avec celles que je vous présente le week-end. Mais bon, elles me déplaisent pas, hein, je peux pas dire ça, mais c'est pas celle qui me plaît le plus. Celle qui me plaît le plus à l'heure actuelle, sur l'ensemble, il y a celle-ci qui, comme on vient de la démarrer, mais bon, j'avais quand même préparé le matériel pour le premier épisode. J'avais vendu, j'avais fait le tour de la map vite fait pour regarder. Celle-ci, je pense, va beaucoup me plaire, mais celle qui me plaît le plus, c'est surtout pour les paysages et la qualité du travail du mappeur que je ne. dont je ne me souviens toujours pas et que je n'ai toujours pas cité et qu'il va falloir que je cite rapidement, c'est Ballydorn Farm. Ballydorn Farm Gold, je trouve que c'est une map magnifique. C'est pareil, je me rappelle l'avoir vue cette map, mais pas dans alors sur quelle chaîne YouTube, je ne sais plus, mais je me rappelle avoir vu cette map, mais je ne me rappelais pas de la beauté de cette map avant. Donc là, quand j'ai cherché une map pour faire une carrière difficile et que j'ai fait le tour de celle-ci, que j'ai vu comment elle était, je me suis dit, waouh, c'est quand même des paysages qui changent énormément sur FS17. Et puis le petit tour de ferry est agréable. Enfin bref, je me suis dit que ça pouvait plaire
à mes petits abos beau néné. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est vider cette petite remorque. Et puis moi, après, hop, bah oui, dès que tu te concentres pas, tu manœuvres comme un goré sur une roue. Donc, je vous disais, nous allons vider cette petite remorque ensemble. Et puis moi, après, je vais continuer de mon côté l'ensilage. Le prochain épisode, je pense que nous ferons... J'ai commencé à presser un champ, mais je voulais ensiler avec vous, là, dans cette petite machine, aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à presser un champ. Et je pense que nous presserons et que nous chargerons de la botte de paille pour commencer nos stocks de paille. Et puis, nous en chargerons également dans une auto-chargeuse. Donc, je pense que la prochaine fois, ce sera ça. Voilà, voilà les amis. Eh ben écoutez, je vais vous souhaiter un excellent après-midi si vous regardez cette vidéo en après-midi. Si vous la regardez en soirée, je vous souhaite une très agréable soirée, surtout en compagnie de madame ou de monsieur. Et je vous dis au revoir les gens, au revoir les autres, et à très vite. C'était votre petit Farming sur les Noirs.